Action. Bonjour, Emmanuel du Théâtre École. Aujourd'hui, je vais vous proposer un jeu de mime. Alors, il faut une petite préparation. Vous prenez des feuilles de papier que vous découpez pour que chacun ait plusieurs morceaux de papier et les participants vont écrire sur chaque morceau de papier un nom de personnage. Ça peut être une vieille dame, ça peut être un personnage célèbre, un personnage de bande dessinée, ça peut être un animal, ça peut même être un objet. Ensuite, les papiers sont repliés et déposés dans un panier. Le premier participant vient, tire au sort un papier, lit le nom sans le dire aux autres, et il va falloir qu'il fasse deviner en moins d'une minute qui est son personnage. Donc il va mimer son personnage, il n'a pas le droit à la parole. Si quelqu'un trouve qui est son personnage, c'est super, à ce moment-là, celui qui a joué gagne un point, et c'est celui qui a trouvé, bien sûr, qui va tirer un nouveau papier et essayer de faire deviner qui est son personnage. Si personne, malheureusement, trouve le personnage, alors à ce moment-là, on peut dire qui était son personnage, puis on va retirer un papier et on va essayer à nouveau de faire deviner qui est son personnage. Avec des jeunes, vous pouvez prendre, au lieu de nom de personnage, des titres de films ou des titres de séries, ou si vous avez des enfants qui aiment bien lire, des titres de romans. Avec des enfants plus jeunes, vous pouvez aussi marquer des titres de contes. Bon amusement!